Bonjour tout le monde et bienvenue au Mon Corvo, voici Kitaro et voici Kamaltero. Et bienvenue dans l'analyse complète du chapitre 983 de One Piece intitulé Tonnerre. C'est avec ce genre de titre que vous savez qu'on va passer un bon moment et que surtout derrière il va y avoir beaucoup de choses à dire. Alors si vous pensez avoir loupé des indices et des détails cachés de l'auteur, ne vous inquiétez pas, on est là pour tout vous raconter. Je t'attendais, je t'ai attendu depuis tout ce temps. Yamato, fils de Kaido, fait enfin sa grande entrée dans le théâtre de Wano Kuni et celui de Onigashima et on va en parler de lui et de sa puissance absolument phénoménale. Mais avant, enfin, on vous annonce le projet le plus ambitieux de la chaîne jusque là. Si vous nous suivez sur les réseaux sociaux, vous avez vu qu'on le tease un petit peu depuis quelques jours. Après tant de demandes de votre part, voici enfin notre propre manga sur One Piece. Le tout premier fan manga sur One Piece en France. On est super excités de vous le proposer. Ce manga a pour but d'éclaircir toutes les zones d'ombre de l'univers de One Piece. Bref, un travail colossal fait par des fans pour des fans qui s'étale sur plus d'un an et demi. Et ça commence dès vendredi prochain. Pourquoi? Parce que, eh bien, nous allons compléter les poses des Shiroda. Quand il n'y aura pas One Piece, eh bien, vous aurez One Piece. Vous savez, nous, depuis le début, en faisant le Mont Corvo, on a toujours envie de bousculer les choses, de bousculer One Piece en France, d'apporter quelque chose de nouveau. C'est pour ça que maintenant, quand vous n'aurez pas de chapitre de One Piece, eh ben vous inquiétez pas, vous aurez un chapitre de One Piece. Le premier arrive vendredi prochain et ça concerne quelque chose de très intéressant, la rencontre entre deux empereurs, entre deux monstres de puissance, Shanks et Kaido durant Marineford. Et pour cela, on a un petit cadeau pour vous. On vous invite à proposer en commentaire votre idée de page de couverture pour ce chapitre. Et celui qui aura le plus de likes verra son idée apparaître. On prend absolument tout, mais n'hésitez pas à être le plus intelligent et cohérent avec l'œuvre, parce que comme ça, vous apparaîtrez sur la première page couverture du tout premier fan chapter One Piece en France. C'est un truc voilà qu'on prépare depuis un an et demi en secret avec notre ami Riken, du coup, qui a tout dessiné. Vous pouvez le retrouver sur les réseaux sociaux Instagram et Twitter. Je crois que je l'ai bouleversé, ce garçon, mais vraiment. Et il a su épouser tous mes caprices pour pouvoir réaliser un chapitre. Riken, c'est incroyable ce que t'as fait. N'hésitez pas à checker son travail, allez le suivre sur les réseaux, parce que sans lui, eh ben, ça n'aurait jamais été possible. Qui n'a jamais rêvé de faire ces petits chapitres de One Piece? Eh ben nous, avec nos petites mains très humbles de fans, dès vendredi prochain, ça arrive, alors qu'il n'y aura pas de chapitre des Shiroda, vous aurez quand même un chapitre de One Piece. Et on est super fiers de vous annoncer que c'est totalement gratuit. On vous propose notre travail gratuitement sur Internet, parce que ici, c'est le premier fan chapter français créé professionnellement. On a dépensé beaucoup d'argent dans ce projet. On a payé un artiste pour créer ce chapitre. On a donné beaucoup de notre temps. Le premier chapitre et tous ceux qui suivront après seront disponibles gratuitement sur Internet. Disponible directement sur Little Garden, le site qui va héberger très gentiment le scan, qui sera en simultané donc en français, en espagnol et en anglais avec des pages en couleur. Little Garden qui vous propose également de voir tous les chapitres de One Piece en couleur et même les plus récents. On les remercie beaucoup. On est tellement effrayés mais tellement excités. Ça nous demande tellement de travail de faire des projets en coulisses et aussi de chaque semaine vous apporter des vidéos. C'est pourquoi ici on va encore se replonger une nouvelle fois dans One Piece sur Onigashima dans une nouvelle analyse du dernier chapitre. Mais aussi on vous propose un projet à côté. C'est pourquoi on vous invite vraiment à vous abonner à la chaîne pour la faire encore grandir, pour ne pas louper nos prochaines vidéos, mais surtout le prochain chapitre. Coucou. Donc n'hésitez pas à mettre vos idées sur le monde de One Piece qui vont pouvoir apparaître en page de couverture du premier fan chapter manga One Piece en France qui sera donc sur Shanks contre Kaido. Merci à tous pour votre patience, on espère que tout cela vous plaira. Mais avant tout, si nous sommes ici, c'est pour parler de Yamato, le fils de Kaido, et sa relation avec Momonosuke. On va absolument tout vous raconter, notre théorie sur le personnage et surtout son rôle à jouer dans la future bataille d'Onigashima jusqu'à peut-être une possible mort. A la fin de la première partie de cette vidéo, ce masque n'aura plus aucun secret pour vous. Qui dit masque dit forcément le théâtre des illusions avec lequel on vous rabâche constamment que les personnages dans Wano Kuni et maintenant retranscrits sur Onigashima, oui, possèdent deux visage. Et alors on va pouvoir eh bien éventuellement comprendre grâce à ce chapitre enfin le véritable rôle mesquin de Big Mom dans l'alliance de Kaido. Préparez-vous à des coups bas, à des guet-apens et à de la trahison et surtout à des combats d'empereurs avant la fin de Wano Kuni. Et en troisième partie nous allons aborder les rapports de force sur l'île du démon Zoro, Kid, Killer, Page One, Ulti, Luffy et Yamato. Vous êtes prêts? C'est parti. Yeah!
Tel père, tel fils. Si le parallèle plastique de l'œuvre nous fait penser qu'aucun test ADN n'est nécessaire, toutes les autres facettes de Yamato sont à découvrir. Annoncé depuis le chapitre 977, le fils de Kaido se montre enfin au Kagura Doré, attendant depuis longtemps la venue de Monkey D. Luffy. Celui qui le rappelle encore une fois dans ce chapitre deviendra le seigneur des pirates. Ichiroda validant totalement la légende de Yamato et récompensant nos recherches sur le sujet il y a plusieurs semaines, ainsi que notre théorie sur le théâtre des illusions. Grâce à l'aide de sa tante, qui lui aura prêté des habits de femme, Yamato Takeru put se travestir et infiltrer un immense banquet ennemi, ainsi personne ne se doutait de rien. Comme pour Okiku, le terrible fils porte alors un masque de Anya, uniquement destiné aux personnages féminins dans le théâtre Kabuki. Pourquoi me direz-vous ? Parce que ce masque est celui d'un démon vengeur, souvent repris dans la culture populaire, il est celui d'un fantôme d'une jeune femme qui revient pour se venger. Ainsi, c'est subtilement qu'Oda rend hommage à la légende de Yamato se travestissant dans un banquet pour tromper ses ennemis, grâce à une autre référence du folklore, celui du théâtre Kabuki et de son jeu, permettant à son personnage lui aussi de cacher son identité en portant un masque. Mais alors qui se cache dessous? Un ami d'Otama? Attention, un palindrome bancal en français ne suffit pas. Otama et Yamato ne s'écrivent pas du tout pareil. Ichiroda n'écrit pas One Piece en français et on retrouve aucun Kaibun, symétrie japonaise, ici. Une chose est sûre, il existe une frappante ressemblance avec Oden Kuzuki. Alors non, il ne s'agit pas de lui, et si c'était le cas, nous aurions là la plus grande paresse d'écriture de l'auteur en 23 ans, et les enjeux de l'arc comme du manga n'auraient plus aucun sens. Alors serait-ce son corps réanimé par les âmes de Big Mom, expliquant les chaînes à ses poignets et la dette qu'a Kaido envers Lin Lin ? Non, car il est précisé au chapitre 835 par Pound que le Solu Solu no Mi a pour but d'humaniser des objets et ne peut donc pas être utilisé sur un être humain. Cependant, il existe bien une chose qui tient à cœur Eiichiro Oda, la transmission de la volonté d'une personne à une autre. Vous pouvez me tuer, ça m'est bien égal. Mon esprit, lui, survivra. Appuyé par le discours de Barbe Blanche au chapitre 576, l'auteur montre que la volonté comme l'héritage dans One Piece ne se transmet pas uniquement par le sang. Est-ce que alors Yamato, par son costume, son comportement, sa volonté à rencontrer Luffy et à ne pas suivre son père, serait-il, à l'instar de Luffy pour Ace et Roger, celui qui porterait paradoxalement la flamme d'Oden ? C'est dans le voyage du samouraï entre le chapitre 961 et 973 que l'auteur aura appuyé l'importance et la signification de sa relation avec Roger. Les deux légendes connaissant la vérité sur le monde et mourant exécutées en lançant une dernière phrase mythique, expliquant, comme pour le discours de Roger, le caractère très spectaculaire de la mort d'Oden, telle une pièce de théâtre dont le texte traverserait le temps, influençant et faisant rêver plusieurs générations après lui. Comme un petit garçon de 8 ans dans la foule qui verrait en ce samouraï se sacrifiant pour son honneur et ses amis, un exemple à suivre. Ainsi, c'est dans une poésie tragique que Yamato pourrait avoir, comme nous le pensions depuis le début, l'âge de Momonosuke, et donc 28 ans, et est celui qui aurait réussi ce que l'autre veut à tout prix, devenir son père. Momonosuke pourrait donc retrouver ici une figure de grand frère. Cela expliquerait alors la jalousie cachée dans le dégoût de Kaido concernant Momonosuke, sachant que son propre fils prend comme exemple son ennemi, alors que le fils biologique de ce dernier est pathétique. Yamato s'inspirerait d'Oden sauf dans ses attaques, car ne l'ayant jamais vu se battre, seulement son père. C'est là que réside tout le potentiel du personnage, être comme Momonosuke, une anomalie, qui en grandissant aurait paradoxalement imité l'ennemi de son père, comme Momonosuke a imité le rival du sien, en se transformant en dragon, éternel ennemi du samouraï. Les deux enfants, innocents, pouvant donc se comprendre parfaitement et étant la clé pour mettre un terme à cette guerre vieille de 20 ans. Car malgré leurs parents, Momonosuke se rapproche de plus en plus de Kaido et Yamato
d'Oden, le dragon qui voulait devenir samouraï face au samouraï devenu dragon, complétant parfaitement notre théorie sur les personnages depuis le tout début et sur la rédemption de Momonosuke alors que Yamato n'était pas encore introduit dans le récit. Vous la trouverez en description, on vous encourage vivement à la visionner pour compléter nos propos. La rencontre entre le chapeau de paille et le fils masqué, se terminant par un dialogue qui, couplé au cœur pur de Luffy, nous permet, nous, lecteurs, d'être certains que Yamato n'est pas malveillant. C'est alors comme si le chapeau de paille parlait à un fantôme, parlait à Oden Kozuki, par une écriture permettant à la fois la création d'un cliffhanger, mais aussi d'ajouter un immense mysticisme et une atmosphère très nostalgique à la scène. Le fait que Yamato attende Luffy pourrait s'expliquer dans l'hypothèse qu'il ait découvert le journal d'Oden, à l'instar de ceux de Grisha Yeager apportant toute la vérité sur ce monde et permettant au fils de Kaido de connaître l'histoire de Joy Boy. Ainsi, Yamato, en se calquant sur Oden jusqu'au bout, pourrait lui aussi vouloir prendre la mer, loin de la cruauté de son père, attendant qu'un jour Monkey D. Luffy, celui qui porte la volonté de Goldie Roger et de Port Gasdy Ace, vienne à son tour pour partir en voyage avec lui, voyant Luffy sur Onigashima comme Oden vit Barbe Blanche sur les plages de Kuri. Les menottes à ses poignets expliqueraient alors sa volonté à s'évader de l'île du démon, mais sans cesse emprisonné par son père, demandant cette fois à rejoindre les Mugiwara, mais ne survivrait pas à la terrible bataille qui va avoir lieu. En effet, Momonosuke s'apprête à être exécuté, faisant croître le parallèle entre Marineford et Wano Kuni. De plus, comme Sengoku annonçait que Ace était le fils de Goldie Roger, Orochi annonce que Momonosuke est celui d'Oden Kozuki, les deux fils des deux légendes qui pour le reste du monde ne sont pas censées exister, accentuant jusqu'au bout le parallélisme et le thème du père et du fils dans ce chapitre. Alors, pour que l'honneur des samouraïs ne soit pas balayé et avant que la lignée des Kozuki ne s'éteigne, les fourreaux rouges vont peut-être cette fois-ci se sacrifier pour sauver Momonosuke comme leur maître l'a fait pour eux il y a 20 ans. Et Yamato aussi, suivant jusqu'au bout son modèle, devenant à son tour lui aussi un héros. Un rôle martyr et une magnifique leçon du maître concernant le fils d'un monstre en réalité plus humain que n'importe qui. Momonosuke le remercierait en disant que leur père serait fier, et comme à Marineford, le grand frère sauverait le petit, qui porterait à son tour sa volonté. Nous venons de parler d'un fils d'empereur qui porte un masque et vous allez voir que de l'autre côté, il y en a un autre. En effet, nous avons deux empereurs et pourtant, il n'existe qu'un seul trône. Et alors que depuis le début, nous parlons du théâtre des illusions, sur Wano Kuni, qui est une gigantesque pièce de théâtre kabuki où chaque personnage porte un masque et en réalité plusieurs personnalités, la trahison est omniprésente, que ce soit Kanjuro, Denjiro. Maintenant, ici, la vraie question, c'est est-ce que Big Mom ne va pas trahir Kaido? Nous avons un Perospero qui arrive sur Onigashima et qui est bien, rappelons-le, le premier fils de l'empereur Big Mom, celui qui la connaît mieux que quiconque, qui peut la raisonner, qui sait lui parler. Et qui sait donc, au fond de lui, que Big Mom a quelque chose derrière la tête. Elle qui crée des mariages arrangés pour finalement trahir le parti. Big Mom, depuis le début, est celle qui fait des coups bas. Et si, ici, elle s'allie avec l'empereur Kaido, eh ben on peut tout de suite faire l'analogie avec l'Allemagne nazie et l'URSS qui s'étaient alliés. On ne se touche pas, tout va bien. Et pourtant, à la fin, il y en a un qui va briser le pacte de non-agression et ça risque fort d'être Big Mom. Un pacte de non-agression qui, comme du coup avec l'URSS, signé, mais juste par connaissance de cause, qui va être brisé plus tard, en fait. Que c'est juste stratégique. Et Big Mom, est-ce que c'est pas l'empereur stratège? Est-ce que c'est pas l'empereur qui, en parlant d'Allemagne nazie, hein, a fait ça avec le Germa? Mais c'est quand même ouf, elle a créé tout un mariage en connaissance de cause que ça ne passera jamais et que c'est juste pour voler la technologie, tuer le Germa. Big Mom, elle ne peut pas s'allier comme ça avec Kaido, bien que le traité ait dit dans le chapitre 954, oui, on s'allie là-dessus et puis on se foutra sur la gueule quand tout cela sera terminé. C'est pas possible, il n'y a qu'une seule place de seigneur des pirates, d'accord? Même si leur alliance se porte bien, il y aura un des deux qui va
commencer à trahir l'autre naturellement. Et s'il y en a un qui est assez intelligent pour faire ça, c'est Big Mom. Et cette trahison aura deux points bénéfiques pour le manga. Le premier, c'est que déjà, ça va trouver une solution pour cette bataille. Parce que si un empereur se fout sur la gueule avec un autre, il y a donc une possible victoire pour l'Alliance et surtout une possibilité pour Luffy de devenir un véritable empereur. Et la deuxième chose, c'est que ça peut être tout simplement bénéfique pour l'équipage de Big Mom qui va peut-être à nouveau briller. On l'attend le Perospero, on l'attend la Smoothie, tout ça va peut-être avoir un rôle à jouer plus tard. Du côté de chez Big Mom, eh bien, on a toujours l'intrigue du quartier des plaisirs qui va se façonner en trois parties. Sanji, Nami & Co et Usopp et Chopper. Alors du coup, forcément, Usopp et Chopper, il faut le dire, prend le contre-pied de ce qu'on pouvait attendre avec un combat entre les deux, puisqu'ici, Franky a mis dans le Brachio Tank un dispositif qui permet que si le Brachio Tank est en danger, qu'il se prend un coup, il sort les pattes du Iron Shogun et il style. Le Brachio Tank est le bas de l'Iron Shogun, la référence au Megazord, les robots que les Japonais aiment tant. On apprend bien ici que le Brachio Tank, il a les pattes de l'Iron Shogun. Deux tiers du trio des lâches des Mugiwara, c'est-à-dire qu'il manque Nami, eh bien va reprendre ses paroles qui étaient précisées au chapitre précédent. Quand il se faisait attaquer, Nami disait c'est pas grave, merci beaucoup, allez on se taille. Et bah là maintenant, Big Mom change d'avis et décide de retourner prendre Zeus. Alors ici, bah, on a les deux perros qui disent c'est pas grave, merci Nami. Et ça c'est vraiment trop bon parce que les trois, mais c'est vraiment... Toujours chez Big Mom, le saviez-vous, dans le folklore japonais, les objets après 100 ans prennent vie. Et l'auteur le prouve avec le Solo Solo no Mi de Big Mom, l'empereur donne des âmes aux objets et seulement des vieux objets, des vieilles guettas, des vieilles ombrelles. C'est une véritable référence au folklore japonais. Et Shiroda, ça lui permet vraiment, une fois, de prendre tous les pouvoirs qui sont extérieurs à Wano Kuni et qui, une fois mis dans le pays, permettent de les adapter au folklore japonais. C'est vraiment trop stylé maintenant. Et bien avant qu'on avait des arbres et des fleurs, et bien maintenant on a des vieilles guettas et tout ça, donc c'est vraiment très intéressant. Et du coup, alors Nami qui taille son meilleur sprint va pouvoir essayer d'affronter Prométhée & Co. Cependant, du coup, on est dans un truc qui est super cool au niveau des intrigues de One Piece, parce que si on sait que Shiroda est connu pour diviser un petit peu ses personnages, et bien ici, Big Mom dit quelque chose de très intéressant, c'est « Non, ne t'inquiète pas, Prométhée, ils sont en train de se déplacer vers la salle de concert. » Et ça, c'est super cool parce que ça pourrait créer, vous savez, un petit peu à l'instar de Luffy qui explose sur le gâteau. Et bien pareil, comme ça, alors qu'ils sont en train de faire la teuf et tout, il y a Queen là, et bien d'un coup, il y a Big Mom qui défonce un mur parce qu'elle est en train d'essayer de choper Zeus. Et bien au moins, ça permet de converger les intrigues vers cette salle de concert où tout le reste se déroule. Mais il y en a un qui, ici apparemment, nous fait croire qu'il ne sert à rien. C'est toujours Sanji Vince Mock qui annonce ici vouloir seulement retrouver d'autres filles dans le quartier des plaisirs pour se faire plaisir. Mais, très intéressant, si chez les Mugiwara il y a un homme avec Jinbei qui sait réfléchir, c'est bien Sanji. Rappelez-vous par exemple à Agnès Lobby, c'était lui qui s'était détaché de l'équipage pour ouvrir la porte de la justice. Point d'orgue et surtout, mais total achèvement sur la marine, c'était lui vraiment qui a permis de sauver l'équipage en fait. Ouais, c'est lui qui a permis tout ça. Et donc, bien qu'on attend un combat de sa part, on attend de voir ce qu'il peut faire avec Steel Black. En tout cas, Sanji sait réfléchir. Et si ici, à première vue, on a l'impression que la perversité de Sanji est beaucoup trop mise en avant et que Eiichiro Oda, encore une fois, rabaisse son personnage, non, on espère en tout cas grandement au Mont Corvo que Sanji a quelque chose derrière la tête et c'est fort possible. Il faut pas sous-estimer le blondinet, bien qu'il a adore les femmes, il aime encore plus son équipage. On croise les doigts alors pour Sanji et son master plan qui pourrait éventuellement mener à un duel et du coup ça pourrait lui permettre de converger vers cette salle où tous les combats se déroulent. Du Kid, du Zoro, du Killer, du Luffy, dans une continuité éthique des Shiroda, Kid mentionne un petit peu son équipage et c'est cool ça, qui dit ouais il y a Hit. Les samouraïs se font désirer, c'est normal au final parce que on voit que chez Kaido les sbires sont plus que des sbires, c'est des personnes très puissantes. Et Zoro, c'est cool de le voir, la première case qu'on le voit de combat, il est dans le mal, il transpire, il est là un peu, bordel, ça n'en finit plus. Mais là, c'est normal. Aussi moyen puisse-t-il être, s'il n'y a pas les samouraïs pour les faire, au bout d'un moment, les têtes d'affiche ne peuvent pas tout se faire. C'est vraiment très intéressant d'avoir enfin une hiérarchie dans l'équipage d'empereur, de voir nos personnages qu'on aime tant galérer quand même juste contre des petits subalternes pas très intéressants. Ça montre que, une chose, ils vont réussir à se les faire, bien sûr, mais de deux, les personnages, tous, mais je dis bien tous, vont devoir se surpasser dans cette histoire. Absolument tous. Si là, maintenant, on voit Kid, Killer et Zoro, pas non plus totalement dépassé, mais il transpire. Ça montre qu'on va devoir tous avoir du power-up pour eux. C'est ultra Zoro, cool. Zoro, il affronte pas un Tobi Roppo, il affronte pas un Okanban, il affronte pas un empereur, il affronte juste des gifters. Et ça rappelle une chose, c'est que Eiichiro Oda, dans son message du Shonen Jump, avait précisé que pour avant chaque grande bataille, il revisionnait un peu toutes les attaques de ses personnages sur les wikis en plus en ligne pour être sûr de rien oublier et pour en créer de nouvelles. Et donc c'est ça qu'on attend. C'est sûr et certain qu'Onigashima va apporter des énormes power-up aux Mugiwara et à tous les personnages de l'Alliance. Et ici, on a une petite proposition de la part des gifters sur Zoro qui lui propose de rejoindre l'équipage de Kaido pour devenir le roi des pirates. Et c'est assez intéressant parce que ça crée un parallèle avec le Baroque Works, exactement la même proposition, ce qu'avait fait Zoro, c'était accepter pour ensuite tous les tuer.
Kenka wa share ja ne en da ze. Vous savez, Shiroda, c'est ce qu'il disait, hein, pourquoi est-ce que vos personnages ne meurent pas dans One Piece? C'est parce que quand vous pétez le rêve de votre ennemi, c'est un peu l'équivalent d'une mort. Et ben là, quand même, on a des personnes qui prouvent qu'elles sont méchantes simplement parce qu'elles avaient le rêve de devenir seigneur des pirates et elles ont accepté de se le réduire pour être chez Kaido. Vous me direz, mais Ace, c'était un petit peu pareil, il a donné son rêve pour quelqu'un d'autre, sauf qu'il a donné pour son père en fait. Ici, il le donne juste pour quelqu'un qui va essayer de les rendre puissants. Vous voyez l'aspect malsain qu'il y a? On arrive enfin vers le combat très intéressant et Shiroda, dans un aspect vraiment tout le temps très subversif, va permettre de montrer que les rapports de force dans One Piece sont méga ambigus. On a Luffy qui va se faire ulti et Page One, et plutôt Page One et ulti qui vont se faire Luffy. Un combat qui de 1 est ultra jouissif, je suis désolé. Déjà de base on a des fruits du démon de la préhistoire, du paléolithique. C'est sûr et certain qu'avec le fruit du démon d'ulti, le Pachifalizoruzoruzoruzurlerus, les Tobi Ropo sont comme les Okanban, tous des utilisateurs de fruits du démon, dirons-nous, préhistoriques, paléolithiques. Nous avions théorisé sur celui de Wuzhou qui était avec un équipage de félins, qui pourrait donc pourquoi pas avoir le Smilodon, le tigre à dents de sabre. On attend ça, ce serait vachement cool. Et alors ulti avec sa bosse sur le front représente le Pachifalizoruzoruzurlerus, et ce qui est hyper intéressant, petite pique de la part des Tiroda, écriture assez maligne, on aime bien ça, c'est subtil, c'est que ce dinosaure là, par sa bosse de 25 cm sur le front, en fait protégeait le plus minuscule cerveau de tous les dinosaures. Ça explique en fait totalement le comportement, mais littéralement décérébré, d'Ulti qui est là, mais Pei, fight Pei qui lui glisse dessus. Insupportable. Elle est totalement débile. Elle est, c'est elle qui dit que Luffy c'est un giga débile, mais elle, elle est terminée. Ulti, t'es fini. Luffy qui est le mec le plus débile du manga. C'est un giga débilos. Il est plus intelligent qu'elle. Donc ça montre bien que par sa bosse sur le front, elle protège son minuscule cerveau. Mais cette bosse alors, elle est vraiment vraiment très intéressante, parce que dans un premier temps, elle va servir à frapper Luffy de plein fouet. Autant pour nous, on pensait peut-être que les Tobi Ropo pouvaient un petit peu se retourner contre Kaido. On voit que elle, et elle dit une phrase vraiment très belle, elle dit: mais espèce de giga méga débile, déjà venant d'elle, tout doux, c'est Maître Kaido qui sera le seigneur des pirates. Et alors ce coup de boule, il permet vraiment de faire un combat qui va être jouissif. Moi pour moi, en deux points, ça va être déjà l'aspect 1v2 qui est vraiment très bien géré. Ça arrive pas trop souvent dans One Piece. Et en plus de ça, le truc qui est vraiment jouissif, c'est que on l'attendait, hein, on l'attendait depuis Vivi dans le désert où il est envoyé à droite. Là on s'est dit, quand est-ce que, eh bien, il y a quelqu'un qui va frapper une femme un peu dans One Piece. Attention, quand on parle qu'enfin un homme frappe une femme, ne vous faites pas dire ce qu'on n'a pas dit, que pour une fois c'est hyper intéressant d'avoir une femme assez forte pour combattre un homme, et que ici on n'a pas juste un combat femme contre femme. On a Ulti qui s'énerve, on a Page One qui s'énerve, et on se dit, qu'est-ce qui se serait passé si Ulti, qui déjà son coup de boule a fait valser Luffy, son coup de boule en dinosaure, qu'est-ce qu'il aurait fait? Luffy qui dit ne pas avoir la puissance nécessaire pour l'avoir, Page One qui est derrière. Les puissances chez Shiroda sont toujours très ambiguës, et c'est ce qui fait couler de l'encre chez ses lecteurs, il le sait. C'était vraiment trop cool de les voir les deux se transformer en dino, dire ouais, on a compris, ils ont un kit d'observation, ils savent quelque chose qui va pas. Chouette. Et que en face, le mec il est monstrueux, il est totalement monstrueux, il s'est fait Katakuri, il est incroyable, je veux dire, Luffy il est inarrêtable, 1,5 milliard de berries, c'est le prochain empereur, le prochain roi des pirates, ils sont dans la merde, et ils le savent ça en absolument une seconde. C'était très bien écrit de la part des Shiroda, c'était très shonen. Ah j'adore, vraiment j'adore cette ambiance, et à la fin ça finit quand même sur une ouverture, sur une ambiguïté, Gear Force, bon on sait pas, on sait que Luffy il est absolument invincible, qui est un peu forcément le plot armor de son côté, mais c'était très intéressant de voir les deux dinos contre lui. Voilà pour la revue du chapitre 983 de One Piece, on espère qu'elle aura été assez complète et que maintenant plus rien ne vous échappe sur Yamato, fils de Kaido et autres Wano Kunri. Wano Kunri. On vous rappelle que la semaine prochaine il n'y a pas de chapitre de One Piece, mais il y a un chapitre de One Piece. Ça arrive ce vendredi, Shanks versus Kaido. En commentaire, n'hésitez pas à mettre votre proposition pour la voir apparaître dans la page de couverture du premier fan manga One Piece français. Quant à nous, notre travail ici est terminé. Si vous l'avez apprécié, n'hésitez surtout pas à vous abonner à la chaîne. C'est vraiment le plus beau des cadeaux pour tous, merci, les projets annexes, merci, qu'on fait tout en continuant les vidéos, les amis. Ah, ça, quel plaisir! On arrive bientôt aux 400 000 abonnés, c'est juste fou! Et en plus, bah, je dis ça comme ça, on a beaucoup de choses de prévues pour les fêter. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo. C'était Kamaltero. Et c'était Kitaro. Ciao, ciao, ciao.